priorité consiste à moderniser ou optimiser l'exercice de compétences transférées et d'assurer une meilleure qualité de vie et de service public aux usagers citoyens. C'est surtout de mettre en place les bonnes politiques publiques parce que la population attend des réponses claires et précises. Ce qui est important, c'est avoir de l'eau, avoir un bon transport, pouvoir se déplacer convenablement et vivre dans une région où il fait bon vivre. Donc nous avons effectivement expliqué ce que nous attendons, nous, région Guadeloupe, que l'État puisse effectivement vraiment se focaliser sur les missions régaliennes et permettre aux régions d'avoir des responsabilités pour pouvoir développer leur territoire. Nous travaillons avec les élus, avec les maires, avec l'association des maires, avec aussi les institutions, les associations. Nous allons mettre en place un site de manière à recueillir les propositions de la population. Et je leur dis haut et fort, moi personnellement, je ne ferai rien sans l'aval de la population. Car nous sommes là à la place de la population. C'est la loi. Les élus représentent la population. Donc on doit faire avec la population.